Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech et bienvenue pour cette vidéo truc et astuces. Et avant toute chose, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour avoir les dernières vidéos publiées, surtout si vous aimez le contenu de la chaîne. Si vous êtes un utilisateur de Firefox, vous remarquerez peut-être que votre version de Mozilla Firefox est une version 32 bits, si vous avez utilisé Mozilla Firefox depuis longtemps. Ainsi, vous avez installé probablement une version 32 bits. C'est la version qui était disponible à l'époque, et la plupart du temps, car Mozilla n'a pas mis à niveau la version 64 bits, même si votre ordinateur peut l'accepter. Et c'est pourquoi vous devriez passer à la version 64 bits, car généralement les versions 64 bits des navigateurs sont plus sûr et souvent mieux au niveau des performances globales qui sont améliorées grâce à l'adressage 64 bits en théorie. Il vaut mieux être sur l'environnement 64 bits, donc pourquoi ne pas l'obtenir, puisque cela vous permet d'avoir une sécurité améliorée. Alors, comment obtenir ou passer à la version 64 bits? Il faut aller sur le site Mozilla Firefox comme d'habitude. Il ne faut pas cliquer sur télécharger gratuitement comme quand vous téléchargez normalement, parce que si vous téléchargez de ce point, cela ne va pas fonctionner et il vous remettra sur la version 32 bits. Ainsi, il faut aller sur télécharger Firefox pour une autre plateforme juste en dessous, et ici vous verrez les choix 64 bits et vous cliquez dessus, cela va télécharger le fichier pour la configuration 64 bits. Il ne vous reste que de suivre les étapes d'installation. Donc voilà comment vous changez de 32 à 64 bits, et cela fonctionne également pour ceux qui utilisent Linux, téléchargement 64 bits au lieu de 32 bits. Tout ce qu'il vous reste à faire est d'aller sur le lien dans la description en dessous de la vidéo qui vous explique tout et qui vous envoie sur cette page, de sorte que vous accédez et de pouvoir télécharger si vous souhaitez la version 64 bits et de pouvoir l'installer. Si vous voulez savoir si vous pouvez passer à la version 64 bits de la version Mozilla Firefox, vous faites clic droit en haut de la page sur la partie transparente ou grise selon votre thème, puis vous cliquez sur le choix barre de menu. Vous accédez au point d'interrogation et vous trouverez à propos de Firefox. Vous cliquez dessus. Fondamentalement, vous verrez une fenêtre avec la dernière version et vous pouvez savoir si vous êtes en 32 bits ou 64 bits qui sera affichée. Et voilà tout pour aujourd'hui, si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour m'encourager. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout.